Donc, pour remercier Impact et particulièrement l'atelier de m'avoir invité à cet échange d'aujourd'hui qui peut paraître assez hétéroclite, mais qui permet aussi aux gens qui sont spécialisés dans un secteur plutôt que dans l'autre, et bien de regarder ce qui se passe ailleurs dans nos réseaux alternatifs. Alors, le réseau Sciences Paysannes n'a pas eu les moyens de continuer avec Impact, mais je pense qu'il reviendra, quoi, hein, parce qu'il a tout à fait sa place dans ce réseau. Alors, pourquoi il a sa place dans ce réseau? Je vais peut-être revenir sur le plan Marshall. Alors, les politiques publiques à l'époque ont commencé avant, mais ça a été effectivement un tournant dans les politiques publiques. Et le plan Marshall, il a amené deux éléments dont on parle beaucoup, la mécanisation et la chimie. Alors, ce matin, on parlait de thermodynamique. Moi, je parlerai plutôt de pétrochimie, en sachant que derrière le terme pétrochimie, il faut mettre autant le pétrole que le charbon, en termes de déstockage d'énergie fossile. Je ne suis pas sûr que le charbon soit pas aussi important que le pétrole. Donc ça, c'était à peu près quand je suis né, donc c'était à la fin des années 40. Il a amené un troisième élément qui a été l'essence améliorée. Alors, l'essence améliorée, c'est quoi? Eh bien, c'est les semences qui ont permis d'adapter les plantes à la mécanisation et à la chimie, que ce soit les engrais chimiques, que ce soit les pesticides. Et ces trois éléments sont arrivés ensemble avec le plan Marshall, qui était une des premières révolutions vertes au niveau de la planète. Hein. C'est un processus qui n'est pas terminé, les révolutions vertes, mais qui est en train de changer de nature. Et donc, je suis tout à fait à l'aise de vous parler des semences aujourd'hui, où on a abordé à la fois les problèmes de l'autonomie vis-à-vis de la machine, et puis les questions de la chimie ont été quand même plusieurs fois évoquées ce matin. Alors, peut-être pour rebondir sur un des éléments qu'a mis Monsieur le Marchand ce matin, c'est vrai que notre société industrielle déstocke énormément de carbone stocké dans les sous-sols et dans les sols, avec toutes les conséquences que ça a en termes d'environnement, de climat, je ne reviens pas dessus. Mais nous, les paysans, on travaille avec des plantes. Qui c'est qui stocke du carbone qui vient de l'atmosphère dans les sols? Ce sont les plantes. Il n'y a que les plantes qui font de la photosynthèse, bon, les algues, mais le monde animal ne fait pas de photosynthèse. Et ce qui s'est passé avec la révolution verte, c'est que si on a un mouvement permanent depuis que la vie végétale est apparue sur Terre, de restockage permanent du carbone de l'air dans les sols, grâce à la photosynthèse et aux racines vivantes, aux mycorhizes, aux champignons qui sont associés à ces racines dans les sols, et bien les révolutions vertes, elles ont inversé ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement déstocké des matières végétales enfouies dans le sous-sol sous forme de pétrole et de charbon, ça c'est connu, mais on a demandé aux paysans de déstocker tout le carbone vivant stocké dans les sols agricoles, dans la surface au niveau de la terre, qui stockait énormément de carbone, sous forme d'humus. Le carbone mort n'est pas stocké dans le sol. Soit bon, dans les tourbières, d'accord, il y reste un certain temps, mais après il repart en méthane. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec le réchauffement climatique dans le nord de la Russie, ou sinon il se minéralise. Le seul carbone qui est fixé dans les sols, c'est soit la forêt, les plantes naturelles le font, soit le travail de l'agriculteur qui, avec ce que nous on appelle aujourd'hui l'agroécologie paysanne, arrive à stocker et à maintenir ce stock du carbone dans les sols. Donc je pense que c'est important de se rendre compte de ce mouvement d'inversion pour pouvoir augmenter les rendements, pour produire plus de protéines, nous-mêmes récupérer plus de sucre avec
la partie de la biomasse qu'on consomme ou qu'on donne à nos animaux, on n'a pas simplement utilisé le pétrole pour fabriquer les engrais chimiques, transporter la nourriture et faire marcher les tracteurs dont on a parlé ce matin, on a aussi pris tout le carbone qui était stocké dans les terres agricoles. Et alors, ça s'est passé, si on prend l'exemple des semences, on peut prendre l'exemple aussi des animaux. Hein. Alors, quand on parle de semences et d'animaux, on ne parle pas de machines, on parle d'êtres vivants, pas des organismes vivants, ce sont des êtres vivants. Ça, j'y tiens beaucoup. Pourquoi j'y tiens beaucoup? Parce que l'essentiel de mon propos va porter sur ce que j'appelle les savoirs paysans, qui sont des savoirs collectifs, qui ne sont pas des savoirs scientifiques, qui pour bonne partie sont des savoirs oraux. Un paysan est toujours beaucoup plus à l'aise pour communiquer à l'oral qu'à l'écrit, qui sont encore moins des savoirs numériques qu'on peut être dans des logiciels et qui se transmettent de personne à personne. Pas par l'intermédiaire d'Internet ou tout autre, très peu par les livres. Ce qui veut dire que, à la fois dans la construction collective d'un savoir commun, alors commun, je vais préciser tout de suite, ça reviendra plusieurs fois. Dans mon exposé, il n'y a pas de commun sans communauté. Et quand je parle de commun, je parle surtout de savoir paysan, je parle de savoir qui sont associés. Peut-être le terme communauté, chez nous, on parlera de groupe de paysans, on parlera de collectif, hein, c'est plus le terme communauté paysanne, communauté indigène, un terme des pays du Sud. Mais ce n'est pas un savoir universel qui appartient à tout le monde. Le savoir paysan, c'est un savoir qui est ancré dans un lieu. Il est oral, donc à un moment donné, parce que les paroles s'envolent, c'est-à-dire qu'elles se transforment. Si je prends le demain pour dire la même chose, je le dirai avec d'autres mots. Et si je parle dans un autre lieu en m'adressant à d'autres personnes, je le dirai aussi avec d'autres mots. Donc ce sont bien des savoirs localisés qui sont datés et qui sont collectifs. Parce qu'il n'y a pas de savoir sans échange. Moi, je ne connais personne. D'abord, il n'y a pas de parole sans échange. Parle ni français, ni anglais, ni quoi que ce soit, ni chinois, si on ne communiquait pas. Et les savoirs, ils se construisent quand même autour de la parole. Donc, quand je parle de commun, ce n'est pas un commun universel, c'est un commun lié à un groupe de paysans. Ça peut être l'atelier, ça peut être un CIVAM, ça peut être une maison des semences paysannes chez nous, tout un tas de choses comme ça. Et pour revenir aux plantes et aux animaux, qui sont donc des êtres vivants, il est important de comprendre que le paysan ne calcule pas. Le paysan, il est toute l'année dans un écosystème qui s'affirme. Il y a des animaux, des microbes, des oiseaux, des insectes, des plantes sauvages, des plantes cultivées, des personnes avec qui ils travaillent. Et le savoir paysan, c'est la capacité qu'on a, à un moment donné, au moment où il le faut, de prendre la décision adéquate pour pérenniser la ferme, pérenniser la récolte. Souvent, on ne sait même pas pourquoi on va prendre la décision. On ne calcule pas. Ce n'est pas une agriculture intelligente. Et c'est l'appréhension directe qui nous permet de prendre une décision. Et souvent, c'est après l'avoir prise qu'on se rend compte pourquoi on l'a prise. Soit que c'était une bonne décision, soit que c'était une mauvaise décision. Tout ce qu'on fait les fois, vous savez bien que souvent, on ne sait pas du tout pourquoi on doit faner à ce moment-là, et puis après, on se rend compte qu'on a eu raison d'y aller, parce que la météo, bon, on ne la maîtrise pas encore. Donc, quand on est avec des plantes ou avec des animaux, on communique avec des plantes ou des animaux. C'est-à-dire que, on est ici à AgroParisTech, donc pour ceux qui ont entendu Marc Dufumier, c'est peut-être un des derniers qui
dans l'épreuve d'agronomie, commence son cours en disant la première chose que vous devez faire, c'est le tour du champ. On ne travaille pas quand on fait le tour du champ, Martin. On fait le tour. On va écouter si c'est les mêmes oiseaux aujourd'hui qu'hier, si c'est les mêmes insectes, si c'est la même odeur du sol, etc. On perçoit tout un tas de signes. On les perçoit, on ne les met pas dans un logiciel. Et si un jour il y en a un qui a changé, on s'en rend compte tout de suite. Et on peut s'en rendre compte sans même que ça devienne conscient. Mais le fait qu'il y ait un signe qui est changé, par exemple, les mois l'an dernier, les hirondelles sont arrivées au 14 juillet chez moi, c'est quand même pas tout à fait naturel, quoi. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. Je me suis rendu compte qu'au mois de juin, elles n'étaient pas là. Et quand je me suis rendu compte qu'elles étaient là, ça faisait peut-être 15 jours qu'elles étaient là. C'est mon gamin qui m'avait remarqué. Parce que d'habitude, elles sont là depuis longtemps, au mois de juillet, donc je n'y faisais pas attention. Donc, ces signes-là, ce sont ces signes-là qui nous permettent de prendre des décisions. Donc il y a bien une communication, on a bien affaire à des êtres vivants qui nous envoient aussi des signaux et qui nous permettent de nous décider. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il nous raconte ça? Alors pourquoi je vous raconte ça? Bien, c'est le titre qui est pour la conférence, là, une agriculture intelligente. Alors ce matin, moi j'ai été surpris parce que je suis dans un amphithéâtre d'enseignement d'agriculture ici, il n'est pas intelligent cet amphithéâtre. Il n'y a pas une prise à chaque siège, il n'y a pas de wifi. Par contre, il y a encore des cendriers à chaque siège. C'est vrai qu'à l'époque, on fumait et que peut-être il y avait moins de pollution, on pouvait fumer. Et c'était quand même. Quand on fumait, c'est qu'on prenait un moment pour penser. On ne fumait pas quand on avait les mains pleines de cambouis. Je ne veux pas faire la promotion du tabac, hein, ne faites pas dire ça, moi-même je ne veux pas. On est encore dans un amphithéâtre de l'ancien système de connaissances. On n'est pas encore dans l'agriculture intelligente. Alors, pendant la Révolution verte, si on prend les semences, on peut dire que les paysans ont été dépossédés de leurs semences. C'est assez connu. On avait des semences locales qui était le résultat de sélections locales, collectives, qui reposaient sur des échanges de semences entre agriculteurs et l'utilisation d'une partie de la récolte comme semence. Et c'est parti de l'État gaulliste et aussi des universités. On nous a vendu des semences améliorées en disant qu'on aurait des meilleurs rendements. On a eu des meilleurs rendements. Mais ce n'est pas l'amélioration des plantes qui a fait qu'on a eu des meilleurs rendements, c'est la régie et la mécanisation. Et on a eu des meilleurs rendements en monoculture. Le système maïs avec les hybrides hein, il est relativement connu. On a eu des meilleurs rendements, meilleure productivité par unité de travail humain, c'est-à-dire que chaque paysan est arrivé à fabriquer plus de quantité de matière végétale, donc des récoltes plus importantes. Mais si on compare au système d'agroécologie paysanne sur les petites fermes où on fait des cultures associées, où on associe le pastoralisme et les cultures végétales, où on fait des rotations de cultures importantes, c'est beaucoup moins mécanisable, hein, surtout les cultures associées. On produit beaucoup moins d'hectares. Si vous voulez produire beaucoup plus à l'hectare, faites de l'agroforesterie, faites des systèmes associant l'élevage l'élevage pastoral, même pas l'élevage au sol, et la culture, et vous verrez que vous produirez beaucoup plus. Donc il faut relativiser ce progrès en termes de productivité. Il y a eu un gain de productivité par unité de travail, mais pas nécessairement un système très performant en termes de productivité à l'hectare. La monoculture, c'est un système qui n'est par définition pas productif à l'hectare si on n'utilise que les ressources naturelles. Parce que la nature a besoin de diversité. Dès qu'il y a plus de diversité, il y a de la maladie, il y a des... Bon, je ne vais pas vous développer ça, c'est pas le lieu. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Et pour revenir ensuite aux semences, ça veut dire très concrètement que ces révolutions vertes, avec le plan Marshall, elles ont remplacé l'énergie du paysan par le
travail, c'est bien le travail, hein, puisqu'il y en a qui parlent encore aujourd'hui d'un monde sans travail. Moi, je m'éclate à prendre l'eau. Il y en a qui ne s'éclatent pas. Mais on l'a remplacé par l'énergie fossile, par le pétrole qui permet de fabriquer les engrais, de faire tourner les machines, etc. Et si on regarde très concrètement le nombre de chômeurs aujourd'hui et le nombre de paysans qui ont quitté le monde rural français à la sortie de la guerre, on tombe sur le chiffre de 5 millions de personnes, qui permet de dire que les chômeurs aujourd'hui, pas à titre individuel, mais à titre collectif, sont des chômeurs de deuxième ou troisième génération, parce que leurs parents ou grands-parents sont des paysans qui ont été expropriés aussi de leur sol à l'époque, parce qu'il fallait des bras dans les usines, mais aujourd'hui, ce sont des chômeurs. Ça donne peut-être une idée des solutions qu'on pourrait trouver. Parce qu'on dit qu'il faut arrêter l'énergie fossile, et on a 5 millions de personnes qui sont pleines d'énergie qui voudraient utiliser. Je ne dis pas que tous les chômeurs veulent devenir jardiniers ou paysans, hein. Mais bon, si on réfléchit de manière sociétale, il peut y avoir aussi des caissières de supermarché qui voudraient devenir paysannes. Hein. On en a parlé ce matin, c'est toi qui m'as parlé de ce numéro qui arrive, et puis bon, des chômeurs qui iraient faire caissières de supermarché. Donc ces semences, on disait améliorées, qu'on nous a vendues, ben, c'est uniquement les semences qui sont en capacité de valoriser les monocultures industrielles basées sur le pétrole, c'est-à-dire les engrais chimiques, les pesticides et la mécanisation. Bon, ça c'est une histoire qui est connue. Les outils juridiques de cette expropriation donc des semences paysannes, ils sont connus aussi, le catalogue des semences ne peuvent être commercialisées que des variétés homogènes et stables, c'est-à-dire celles qui sont adaptées à un système agricole homogène et stable, donc homogénéisé par l'engrais chimique et la mécanisation et les pesticides. Alors que si on n'utilise que les ressources locales, naturelles, c'est très diversifié, on a besoin de semences qui sont diversifiées et une grande capacité d'évolution. Donc ils ne sont pas stables. Donc ces semences-là n'ont pas accès au marché. Donc ça a été le premier outil. Le deuxième outil, ça a été le certificat obtention végétale, c'est-à-dire que l'obtenteur se fait délivrer un titre de propriété sur la variété rendue homogène et stable. Et aujourd'hui, réclame aux paysans qui réutilisent une partie de sa récolte des royalties qui font que la semence de ferme finit par être plus chère que l'achat de semences commerciales vendues par l'obtenteur. C'est des masses d'argent énormes, hein. En tout cas pour l'obtenteur. Les royalties sur les semences de ferme, c'est la moitié des droits de licence que paye un multiplicateur de semences qui vend des semences commerciales. Mais pour multiplier des semences et vendre des semences commerciales, il y a du travail. Les royalties sur les semences de ferme, quand vous regardez que les paysans font des semences de ferme 2 à 3 ans, rien qu'avec du papier, l'obtenteur multiplie par 2,5 ou par 2 les droits de licence qu'il touche de la multiplication de semences commerciales. Donc ce n'est pas des détails, hein. La financiarisation de l'agriculture, je vais beaucoup vous parler de dématérialisation, la financiarisation est un des outils de la dématérialisation. Mais aujourd'hui, ce système est terminé. On se bat encore contre le catalogue, mais on remporte des victoires assez plus facilement qu'avant, en tout cas. On vend des semences qui n'appartiennent pas à des variétés inscrites au catalogue. On vient d'avoir dans la loi biodiversité le droit d'échanger des semences entre agriculteurs. On sent qu'on nous donne une certaine liberté de ce côté-là. Mais pourquoi ? Parce que... Et là, on va venir aux biotechnologies, qui sont un des éléments de cette révolution dont on a parlé ce matin. Hein. Le bang, hein, le bip, le numérique, et les biotechnologies. Aujourd'hui, le droit de propriété intellectuelle n'est plus déposé sur la science physique. Il y a encore des droits de licence pour le multiplicateur. Mais les droits de propriété... ils sont déposés sur ce qu'on appelle l'information génétique, le brevet sur l'information génétique. C'est quoi l'information génétique ?
L'information génétique, c'est quelque chose qui peut être numérisé. Ça peut être quelques lettres qui vous donneront une séquence génétique. Souvent, vous n'avez même pas les séquences génétiques associées à un caractère particulier d'une plante. La résistance à un insecte ou à un herbicide, en général, c'est ça de telle espèce de plante. Et le brevet sur cette information génétique, il ne protège pas une plante avec l'ensemble de ses caractères, comme le certificat d'obtention végétale. Le certificat d'obtention végétale, si je modifie la variété, il n'y a plus de propriété intellectuelle dessus. Je prends une plante qui est protégée par un certificat d'obtention végétale, je la multiplie quelques années, elle évolue, ou je fais un croisement, c'est autre chose, et donc je peux l'utiliser. Le brevet sur l'information génétique, il va couvrir toutes les plantes qui contiennent cette information génétique, qui n'est qu'un caractère sur des milliers de caractères que quand je plante un génome, il y a des milliers de gènes dans une plante, tous peut-être ne s'expriment pas. Et ce qui est particulier, on a eu dans un premier temps les brevets sur des transgènes, avec la transgénèse, les OGM. Alors, le transgène, c'est soit un gène de bactérie qui est insecticide, un gène BT. La bactérie n'a rien à faire, ce gène de bactérie n'a rien à faire dans le maïs, dans le blé, dans le coton. Soit un gène de synthèse, fabriqué par synthèse chimique au laboratoire, pour tolérer un herbicide. Pareil, il n'a rien à faire dans le maïs ou dans le coton. Donc, on va pouvoir le retrouver facilement et identifier que parfois si ce gène est présent, ou bien c'est que j'ai multiplié la semence brevetée par le semencier, ou bien c'est que mon champ a été contaminé, auquel cas bon, c'est le fameux procès de Percy Schmeiser avec des croisades tolérants aux herbicides au Canada. Mais c'est un brevet qui repose sur quelque chose de physique qu'on peut retrouver de manière très très clair. Mais avec les nouvelles biotechnologies, et ce matin, on a arrêté les cultures transgéniques dans l'essentiel de l'Europe. En France, on a gagné une loi qui interdit les cultures du seul OGM autorisé, le maïs BT, le maïs transgénique. Et aujourd'hui, on a des nouveaux OGM qui arrivent. Alors, c'est quoi ces nouveaux OGM ? Ça se fabrique de la même manière que les premiers OGM de la transgénèse, c'est-à-dire qu'on va modifier au laboratoire des cellules de plantes, isolées de la plante. Une cellule isolée de la plante, ça meurt, ça ne se multiplie pas. Si vous faites de la multiplication cellulaire in vitro au laboratoire, c'est quelque chose de pas du tout naturel. Et ça provoque beaucoup de modifications génétiques qu'on n'arrive pas à identifier toutes. Et après, on en refait une plante entière. Mais à la différence de la transgénèse, soit vous allez inonder ces cellules de plantes avec des produits chimiques mutagènes ou des rayons ionisants mutagènes, et vous allez modifier le génome de cette manière-là. Il n'y a pas de trace de transgène. On ne peut pas identifier ce qui a été rajouté. Soit toutes les nouvelles techniques dont on entend parler maintenant, le fameux CRISPR, je ne vais pas vous les citer toutes, on fait comme avec la transgénèse, c'est-à-dire qu'on fabrique à l'extérieur de la cellule un ensemble génétique de morceaux de génome, on l'insère dans la cellule, mais il provoque les modifications, il ne reste pas dans la plante. Donc ils disent, c'est pas des OGM puisqu'il n'y a pas de gène étranger dans cette plante, alors que ce sont des OGM et que c'est breveté. Et que la puissance de ce brevet est bien supérieure à la puissance du brevet sur le gène BT ou sur le gène de résistance au Roundup. Parce que le gène de BT ou le gène de résistance au Roundup, ils sont là parce qu'on les a mis. On les a fabriqués au laboratoire, on les a mis. Alors que ce qui est obtenu par mutagénèse in vitro ou par ces nouvelles techniques, ce sont des gènes qui peuvent très bien exister naturellement, déjà,
dans nos semences paysannes, dans des plantes sauvages. Vous avez des brevets qui sont déposés par Monsanto, tous les caractères de précocité des parents sauvages du soja ont été brevetés du simple fait qu'il y a une invention, puisque Monsanto prétend les avoir mis dans le soja cultivé. Ils existent déjà, ils sont brevetés. Alors, il faut bien qu'ils utilisent un de ces procédés brevetables, dit microbiologique, des brevets, mais ils disent que la nature peut faire pareil. Alors, vous avez un exemple, par exemple, qui a été donné par le directeur des relations internationales de l'Imagrin. C'est intéressant de savoir, M. Wash, il est aussi président de l'Association internationale des semenciers, donc c'est pas un débutant. Il nous explique qu'il a obtenu comme ça un blé avec un caractère, je ne sais même plus ce que c'est ce caractère, si c'est un caractère nutritionnel ou de résistance à un herbicide. Il dit, mais la nature aurait pu faire les mêmes mutations. Pour ceux qui connaissent un peu le blé, c'est quand même trois génomes différents. Pour arriver à obtenir la même mutation sur les trois génomes, il faudrait le temps historique de trois fois depuis que la Terre existe pour qu'on ait une chance que cette mutation se produise sur les trois génomes à la fois du blé. Alors, ils disent on fait que aller un petit peu plus vite que la nature pour obtenir ce dont on a besoin. Mais si la nature elle a un rythme, si elle ne va pas plus vite, elle a ses raisons que peut-être nous ne connaissons pas, mais ce n'est pas parce que nous ne les connaissons pas qu'elle ne les a pas, ces raisons de ne pas aller plus vite. Parce que si vous voulez que la vie n'existe plus rapidement sur Terre, mélangez tous les génomes, vous aurez une soupe extraordinaire, plus de différenciation, plus de diversité, et la vie va s'effondrer. Donc, dire qu'on a fait qu'aller un petit peu plus vite que ce que fait la nature, ce n'est pas tellement vrai. Mais la puissance de ces brevets, c'est qu'ils sont en train de s'emparer de toutes les semences qui existent. Celles qui ont été sélectionnées, multipliées par nos parents, qui sont dans les collections de ressources génétiques, et celles que nous cultivons aujourd'hui. Et donc là, qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les semenciers ? Nos semences physiques, ils les ont déjà. Elles sont dans les collections de ressources génétiques, soit les publics, soit les collections de ressources génétiques privées, les grandes entreprises semencières en ont toutes. Mais la génétique, ce n'est pas comme une pile de boîtes de conserve, un stock dans lequel on va puiser. C'est le monde vivant qui évolue en permanence. Les semences qui ont été collectées il y a 50 ans ou il y a 100 ans, elles sont dans les banques de gènes, si aujourd'hui je les plante, ça pousse, mais ce n'est pas cultivable. Il faut recommencer à le sélectionner, à l'adapter, parce que le monde a évolué. Et qui, aujourd'hui, régulièrement, chaque jour, est en train d'adapter l'ensemble de ces ressources génétiques aux évolutions du climat, aux évolutions des modes de culture, aux évolutions économiques? Ce sont des centaines de millions de paysans qui, de par le monde, font encore leur propre semence. Une ou deux entreprises semencières, même si elles ont chacune une centaine de chercheurs, ça fait 300 personnes. Ça ne fait pas plus. Des millions et des millions de paysans qui, chaque année, créent de la diversité dans leurs champs, parce qu'en ressemant une partie de leur récolte, chaque année, ce sont des plantes différentes. Alors, pas beaucoup si c'est des plantes allogames, beaucoup plus si c'est des plantes... Pas beaucoup si c'est des plantes autogames, beaucoup plus si c'est des plantes allogames. Mais cette évolution, elle est permanente. Et les firmes semencières, elles ont besoin d'avoir accès, pas uniquement aux plantes elles-mêmes, parce que souvent, la petite différence, la petite nouveauté qui est apparue, s'il faut faire du séquençage génétique, bon, c'est beaucoup plus performant aujourd'hui qu'il y a 20 ans pour faire du séquençage génétique. Hein. Le coût du séquençage génétique, il a été divisé par 100 000 entre la fin des années 90 et les années 2010. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça va vite, mais ils ne le verront pas nécessairement. Qui sait qu'il y a un caractère nouveau dans une plante ? C'est le paysan qui le cultive. Ce sont les savoirs paysans. Ce sont les savoirs paysans qui existent encore. Alors peut-être peu dans notre agriculture moderne de l'Ouest européen. Semences paysannes, on a quelques milliers en France à en cultiver, sinon tout le monde utilise des semences de l'industrie.
mais au niveau mondial, aujourd'hui, c'est à peu près deux tiers de la nourriture disponible sur la planète qui est issue des systèmes d'agriculture familiale, d'agroécologie paysanne, des systèmes financiers paysans, de paysans qui n'ont de toute façon pas assez d'argent pour acheter des engrais chimiques, des pesticides et les semences des semenciers. Donc ça, ça les intéresse beaucoup, les semenciers. Mais ce qui les intéresse, c'est les connaissances des paysans. Alors après, qu'est-ce qu'ils en font ? Et je crois que c'est là qu'on va trouver aussi des éléments sur lesquels il faut qu'on échange avec le travail que fait l'atelier. Les connaissances des paysans, à savoir qu'un paysan va parler avec une plante ou un animal, essayer de discuter avec un scientifique, il va vous dire, mais lui, il est pas bonjour, quoi. Ce que vous expliquez sur les savoirs paysans tout à l'heure. Bon, j'ai aussi siégé au Conseil des biotechnologies, quand je parle de ça, on me comprend fou, quoi. C'est pas la peine que j'insiste avec ces gens-là. Donc ça, de toute façon, ça ne les intéresse pas parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Ils ont une autre culture. Pour eux, le savoir est universel. Non, pour un paysan, le savoir n'est pas universel. Je ne fais pas la même chose quand je suis dans le Midi ou quand je suis en Alsace. Je veux dire, il y a vraiment des grosses différences. Par contre, ce qui les intéresse, c'est l'information. Et l'information sous forme numérique. Parce qu'aujourd'hui, on a eu des agronomes intelligents. On parlait de Marc, on pourrait définir tout à l'heure, on pourrait parler d'autres, c'est-à-dire qui vont dans les champs, qui essayent de comprendre ce qui se passe, qui essayent de comprendre comment les paysans travaillent, etc. Mais aujourd'hui, quand on vous parle de l'agriculture intelligente, comment travaille un sélectionneur aujourd'hui ? Il ne travaille plus ni avec des graines, ni avec des plantes. Ça, c'est le faiseur qui vient après, qui va travailler, c'est le sous-traitant qui va travailler avec les graines et les plantes. Les sélectionneurs, comment ils travaillent ? Ils ont des bases de données numériques. Où d'un côté, ils ont les séquences génétiques de la plupart des ressources génétiques qui existent sur la planète. Cette base de données est sur Internet. Elle est mise en place par un consortium qui s'appelle DeepSeek, auquel participent d'ailleurs nos instituts de recherche publique. Pour moi, c'est assez scandaleux, l'INRA et le CIRAD. Donc, ils ont cette base de données. Et puis, ils construisent des bases de données de tous les caractères intéressants des plantes. Et donc, ils vont repérer à un moment donné qu'il y a un lien avec des logiciels. Ce n'est pas eux qui sont intelligents. C'est le calcul de logiciels. Est-ce que le calcul, c'est l'intelligence ? Est-ce que le fonctionnement d'un ordinateur, on appelle in silico, la silice, elle est capable de dire oui ou non ? Elle n'est pas capable de dire peut-être. Elle n'est pas capable de dire oui et non. Elle vous dira 1 et 1 fait 2. Elle ne vous dira jamais 1 et 1 fait 3. Mais quand vous faites une famille, 1 et 1, ça fait 3. Mais je peux prendre énormément d'exemples comme ça. C'est-à-dire que le calcul de la silice est un calcul d'une partie infime du monde vivant. Ça marche, c'est juste. On peut construire des immeubles, ça marche très bien dans la clinique. Mais pour le vivant, c'est vraiment une partie infime du monde vivant. Et donc, ils mettent ça dans un logiciel et ils repèrent tel gène est lié à tel caractère, de telle résistance à un insecte. Après, ils ont des bases de données de toutes les ressources génétiques qu'ils ont, eux, dans leur collection. Ils vont chercher quelles sont les plantes qui ont ce gène-là. Alors, s'il est trop connu, ils ne vont pas breveter sur eux, il est déjà connu. Ils vont prendre le gène à côté qui va avec, le gène à côté qui va avec. Lui, il n'est pas connu, ils peuvent déposer un brevet, et après, ils vont juste la faire pousser pour vérifier que ça marche. Et à partir de là, ils vont demander à un laborantin qui travaille dans un laboratoire avec ses nouvelles techniques OGM, genre CRISPR et compagnie, de fabriquer une cellule de maïs ou de coton avec ce gène-là, et ils vont vendre des droits de licence, ils vont même pas vendre des semences. Alors, on voit bien que là, on a affaire à un mouvement différent. Si, avec les révolutions vertes, il y a l'accaparement des terres, on nous a fauché nos terres, on nous a exproprié nos semences,
Aujourd'hui, on nous exproprie de nos connaissances. Parce que à partir du moment où ces semences brevetées sont disséminées, ou bien ce sont des gènes qui sont déjà dans mes semences, et je ne peux plus utiliser mes connaissances pour les cultiver, puisque je suis complètement dépendant de celui qui a le brevet dessus, ou bien s'ils n'y sont pas, à un moment ou à un autre, mes récoltes seront contaminées et je me retrouverai avec des gènes brevetés. Alors, si on en reste aux semences, on va se dire, il nous reste encore beaucoup de liberté, on peut toujours fabriquer nos produits, on peut toujours transformer nos récoltes, faire des produits fermiers, etc. Eh bien non. Aujourd'hui, bon, vous avez tous entendu parler des méga-fusions au niveau industriel. Alors, on parle beaucoup du monde des semences. Monsanto, Bayer, Chemchina, Syngenta et Dupont et Dow. Donc là, on va avoir trois monstres qui vont contrôler à peu près 75 à 80% du marché mondial des semences. Rassurez-vous, c'est le marché mondial des semences commerciales. Ça produit un quart à un tiers de la nourriture disponible sur Terre, en utilisant quand même les trois quarts des ressources en terre et en eau. Cette agriculture industrielle soi-disant productive, elle ne produit qu'un quart de la nourriture avec les trois quarts des ressources. Donc il y a encore autre chose qui existe, on ne va pas mourir parce qu'ils existent. Et ça, c'est la face visible de l'iceberg. On a parlé de John Deere ce matin. John Deere, ce n'est pas un nain, c'est 10 fois le chiffre d'affaires de Monsanto, c'est l'équivalent de Carrefour en termes de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle les équipementiers. Et bien, John Deere, il a déjà passé des accords avec Monsanto d'un côté et avec Pioneer, Dupont, de l'autre, pour vendre le paquet complet. C'est-à-dire que, déjà, la chimie qui a acheté les semenciers, on vous vend la semence avec l'herbicide, avec les pesticides qui vont avec, et puis vous êtes obligé d'acheter le paquet complet. Là, on va vous vendre l'équipement qui va avec. Et puis, on voit Google, qui, lui, a à la fois des services de cartographie, vous utilisez tous le GPS, et des services de prévision météo. Il a racheté une société de prévision météo qui est en train de passer des accords avec ces gens-là. Donc le paquet complet qu'on va vous vendre de services numériques, ça sera donc la semence, le produit chimique, les équipements, et puis on va vous dire tel jour à telle heure, il faut passer tel produit, puis la météo va changer demain, donc demain vous ferez ça. Pour aller rapidement à la caricature, le paysan qui utilise ses savoirs pour le matin décider ce qu'il va faire, des fois certains le font la veille au soir, ben non, il n'utilisera plus ses savoirs, il prendra son smartphone et il recevra l'offre de service qu'il aura dû acheter. C'est pas gratuit. C'est-à-dire, quand il va acheter la semence, il va acheter en même temps l'offre de service qui lui dira tous les matins ce qu'il faut qu'il aille faire à telle heure, et puis telle heure il faudra qu'il aille faire autre chose. C'est-à-dire qu'on sera de simples exécutants n'ayant plus aucun savoir collectif. Alors qu'aujourd'hui, je pense quand même que les gens qui sont ici, les réseaux qu'on représente, montrent bien que les savoirs collectifs paysans sont quelque chose d'assez développé. Alors, je terminerai avant de passer au... J'ai peut-être été un peu plus long, je souhaitais des échanges quand même sur ce qui se passe en France. Vous savez bien qu'en France, on est beaucoup plus intelligents et qu'on a un dénommé Bournigal. Alors Bournigal, c'est marrant parce que moi, ce bonhomme, je l'ai connu quand il était à la DGAL et qui était le pur et dur défenseur des OGM, à l'époque, dans les années 2005, où c'était... Et aujourd'hui, c'est le chef de l'agriculture numérique et intelligente, il a été bombardé là par l'ami Le Foll. L'ami. J'enlève son nom. C'est une expression familière, l'ami dit. Ce matin, on a dit que le projet Agriculture 2025, il est arrivé comme ça. Non, il n'est pas arrivé comme ça. Il y a des gens derrière. Il y a des personnes, il y a des entreprises derrière. Aujourd'hui, bon, il se trouve que je suis administrateur de l'Institut technique de l'agriculture biologique et on n'a pas eu le choix. On a reçu un courrier de l'ACTA, qui est donc l'association qui réunit tous les instituts techniques du végétal, de l'animal et de l'agriculture biologique. Et ils ont dit, il faut partager les données. Ah,
Oui, c'est vrai, c'est pas con, finalement, tant qu'on l'utilise, on est tous en train de récupérer des données. Alors, John Deere récupère des données aussi. Hein. Il y a des capteurs sur tous les tracteurs, chaque fois que vous démarrez, que vous arrêtez, il récupère énormément de données. Monsanto, il fait pareil. Auprès de ses... Il est en contrat avec beaucoup d'agriculteurs qui lui donnent des données. Les instituts techniques récupèrent beaucoup de données. Et puis vous avez InVivo, ça vous dit quelque chose? C'est pas la plus petite coopérative en France. Terena, c'est pas la plus petite coopérative en France non plus. Ils sont tous en train de récupérer des données. L'Institut des végétales, il a un contrat avec Météo France. Aujourd'hui, ils ont des prévisions météo à peu près à 2 km et demi. Ils disent en 2 ans, on aura des prévisions météo à la parcelle. Et alors, M. Bournigal, qui représente le gouvernement, c'est un fonctionnaire, il dit il ne faut pas que ces données elles appartiennent à n'importe qui. Il faut qu'on les garde. Mais qui c'est qui va les garder? InVivo, Terena, les instituts techniques, ce sont nos connaissances et ils vont nous les revendre. Et tous les matins, on prendra la smartphone et on regardera les prescriptions qu'ils nous vendront et qu'on aura payées. Alors qu'elles ont été fabriquées avec nos propres connaissances. Donc voilà, je m'arrête là pour vous dire que cette agriculture intelligente, elle n'a rien d'intelligent parce qu'elle ne comprend rien au monde vivant. Le monde vivant, il ne fonctionne pas suivant des lois mathématiques binaires comme le monde de la silice. Donc je suis assez d'accord avec ce que disait ce matin M. Le Marchand, ça va s'effondrer, mais plus ça s'effondrera tard, plus ça fera des dégâts. Donc moi je suis comme lui, je souhaite que ça s'effondre assez vite, un petit peu comme le système électoral en France d'ailleurs, c'est en train de s'effondrer. Et puis, et là je féliciterai les amis de l'atelier, le jour où ça tombe, essayez de ne pas être dessous. Si vous êtes autonome, vous aurez beaucoup de chance, beaucoup moins de chance d'être dessous. La machine paysanne, elle est vivante. Parce que la machine paysanne, elle est recyclée en permanence. Moi, mon premier employeur, c'était le forgeron du village. Il avait des vignes et on fabriquait les outils. Et quand je me suis installé, bon, ben, j'ai mis une forge sur ma ferme et j'ai fabriqué des outils avec des vieux outils. Si j'avais pas l'outil qu'il me fallait, ben, j'utilisais des vieux outils. Et puis, une forge, une disqueuse, une poche à souder, bon, ce que vous faites, vous, aujourd'hui. Mais ce que je remarque, c'est que ne serait-ce que les aciers qu'on a aujourd'hui sur les outils, ben on ne peut plus les travailler à la forge. C'est plus le même acier. Même vous les passez à la disqueuse, vous ne pouvez plus les affûter parce que vous les détrempez. Et qu'une fois que vous l'avez détrempé, même s'il est bien affûté, vous ne pouvez pas le retremper parce que ça passe pas à la forge. Donc si tu veux, là, on a le... La manière concrète de dépossession au niveau de la machine, c'est-à-dire que c'est vivant en tant que le paysan peut recycler la machine, et à partir du moment où le paysan ne peut plus recycler la machine, bon, moi, quand il y a de l'électronique sur mon tracteur, ma génération, je ne vais pas y toucher, quoi. Bon, donc voilà, c'est, je ne peux pas le bricoler, je ne peux pas le recycler. Allez faire un tour en Afrique, vous verrez que le paysan africain, lui, il sait très, le peu de machines qu'il a, il sait très bien les recycler. La machine industrielle, elle est jetable. Mais pour l'essence, c'est pareil. L'essence, elle est jetable. L'hybride F1. L'hybride F1, c'est quoi? C'est un croisement qui n'est pas stabilisé. C'est une arnaque. Alors oui, vous aurez un meilleur rendement si vous mettez dans le chimique qui a assez d'eau et que vous avez des bonnes terres, parce que sinon, nous on fait des sélections paysannes en maïs depuis une dizaine d'années au réseau Sciences Paysannes. En bio et dans des terres pas riches, on a des meilleurs rendements quand ce n'est pas les meilleures années, ça n'est pas un problème. Mais c'est une semence jetable parce que vous ne pouvez pas utiliser la récolte. Ni comme semence à élaborer, ce qui est quand même beaucoup plus économique, mais ni surtout, pour ce qui est le plus important, pour la sélectionner de manière à l'adapter
à vos commissions de culture. Aucun semencier qui vend des semences, qui se vendent depuis l'Atlantique jusqu'à la frontière italienne, ne peut les adapter à l'ensemble des terroirs. Il faut que derrière, peut-être ils ont fait des choses intéressantes hein, sur les semences, mais il faut que derrière les paysans puissent les réadapter en permanence, en faire des semences vivantes. Mais il y a eu la fin, on fait une semence jetable. Les droits de propriété intellectuelle font la même chose, et le catalogue fait la même chose. Alors, derrière les paysans, ils pouvaient garder la variété. Il y en a quelques-uns qui les ont gardés, mais je veux dire, en 50 ans de Révolution verte, on n'a plus beaucoup de variétés locales qui existent. Mais l'environnement de la ferme, tout ce qu'on a parlé ce matin, le paysan, normalement, il produit de la nourriture. Notre ami des Afox ce matin, excuse-moi, je ne me rappelle plus ton prénom. Tu nous as bien expliqué comment ça marche aujourd'hui. Celui qui a emprunté, il faut qu'il produise de l'argent, de n'importe quel moyen. Et pour produire de l'argent, il faut qu'il fasse du volume. Il n'y a pas le choix. Alors s'il faut produire de la nourriture pour ma famille et mes voisins, bon, ce n'est pas du volume qu'il faut. C'est de la diversité, c'est du goût, c'est des choses qui changent chaque année, d'une semaine à l'autre, on ne va pas manger toujours la même chose. Il faut des pommes qui se conservent, des pommes qu'on mange tout de suite. Donc voilà, ce n'est pas du tout le même projet agricole. À partir du moment où on est rentré dans le cycle de la dette, avec des lois en plus qui nous empêchent de faire ce qu'on veut, on est dépossédé de l'agriculture paysanne, on est dépossédé de nos connaissances, parce qu'on devient des gens qui doivent fabriquer de l'argent pour rembourser les crédits agricoles. Et là, on n'a plus de liberté. Je peux vous donner des exemples, mais je préfère échanger. Alors moi, j'ai une nature optimiste, ça aide à vivre, hein. C'est déjà pas mal. J'ai vécu le début de l'agriculture paysanne, l'agriculture biologique en France, la nature et le progrès. On a dû écrire le premier cahier des charges en 1972. On est resté quelques centaines jusqu'au début des années 80. Quand notre cahier des charges a été reconnu, c'était le premier. Alors on n'a jamais atteint 2000 agriculteurs. Donc ça, c'était à la fin des années 80. Donc on voit bien que la progression, au début, elle a été quand même relativement lente. Il y a eu beaucoup d'innovations. L'agriculture biologique, c'est l'ensemble de l'agriculture. Ce n'est pas comme les semences ou uniquement les machines. Hein, mais ça a été lent. Bon, aujourd'hui, je crois qu'on doit être à 35 000 agriculteurs bio, un truc comme ça. Hein, donc c'est, on a une part de marché plus importante, mais ça a été une progression relativement lente. J'ai vécu l'émergence du réseau Sciences Paysannes. On est né en 2003 à Auzouille, à côté de Toulouse. On avait fait avant, justement, c'est ce qui a provoqué la création du réseau. On avait croisé tous les réseaux de la FNAB, de Nature et Forêt, de la Confédération Paysanne, des ADA, des biodynamistes, avec une étudiante espagnole qui faisait une enquête chez les quelques paysans qui utilisaient encore des variétés qu'ils avaient eux-mêmes sélectionnées. Pas des semences de ferme, des variétés commerciales, mais des semences paysannes. On a identifié entre 150 et 200, et on a enquêté un petit peu moins de 100. C'était en 2000. Aujourd'hui, on est plusieurs milliers. Donc la progression a été beaucoup plus rapide. Alors, la communication marche mieux, mais à l'époque, on se cachait. Ce qui a été très intéressant, peut-être une des leçons principales du réseau semences paysannes, c'est qu'on nous a dit c'est interdit. Donc ceux qui font leur science, ils n'en parlaient pas. Ils vendaient sur les marchés, les premiers paysans boulangers, etc. Et puis, bon, ça a été la Confédération paysanne, moi, qui m'a dit, tu peux y aller, tu t'engages en tant que syndicat. On défendra tous les paysans qui seront inquiétés parce qu'ils échangent leurs semences, etc. Bon, on a découvert en le faisant qu'on avait le droit de le faire, que c'était un mensonge, qu'on n'avait pas le droit. Mais à partir de là, et surtout du fait qu'on les ait réunis, à Auzouville, ben, deux paysans qui se rencontrent et qui font la même chose, ils parlent. On s'est réunis au mois de janvier,
Au mois de juin, il y a eu la première tournée des champs. Ils ont fait le tour de France pour aller voir tous ces champs de blé qui étaient issus de semences paysannes. Et à partir de là, qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Des échanges de savoir-faire, de connaissances de paysan à paysan. Pareil pour le maïs, après c'est venu pour les potagères. Moi je travaille sur la vigne, donc ça se passe. Au long de la vigne, il y a plus d'argent, donc la communication est parfois plus difficile parce qu'il y en a qui confondent un petit peu les connaissances paysannes collectives avec leurs secrets de fabrication, mais bon, ils ne sont pas tous comme ça, les gnomes. Cet échange de savoir de paysan à paysan, je pense que c'est vraiment la clé. Et pour ça, un, il ne faut pas se cacher. Mais deux, et c'est ce qu'on est en train de se rendre compte aujourd'hui, il n'y a pas d'accès de tout le monde à toutes nos connaissances. Moi, je n'ai pas envie que l'Imagrain vienne déposer des brevets sur les variétés de blé qu'on a sélectionnées au réseau Sciences Paysannes et qui sont consommables par des personnes qui ont des problèmes avec le gluten. Ça se sait, ben, on n'est pas obligé de leur dire comment on a fait. Ça, c'est des savoirs collectifs. Ça appartient à un commun, à une communauté, à un collectif. On ne va pas tout leur raconter. Alors, je sais que c'est difficile de travailler avec des gens comme vous, avec des chercheurs, parce que vous êtes obligés. Vous faites un programme de recherche de rendre public. Et là, je crois qu'il y a une vraie question qui se pose pour nous sur la diffusion des savoirs. Ce qui est important, ce n'est pas de diffuser des semences. Un paysan qui sait sélectionner des semences, il les trouve, les semences. Je veux dire, ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, il faudra qu'il les sélectionne chez lui. Ce qui est important, c'est la diffusion des savoirs. Je vous prends un exemple très concret, vous allez comprendre. On a eu un programme de recherche sur les levains des paysans boulangers. Et ils ont découvert des levures qui n'existent pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on a des levures complètement originales, qui ne sont pas connues de l'industrie, qui ont pourtant des... Ils ont des bibliothèques hein, de levures, hein, des collections de levures qu'ils utilisent. Alors là, nous, on est vachement fiers. Évidemment, on a des levures qu'on ne voit pas partout. Popeye, il n'est pas loin. Alors, qu'est-ce qui se passe si un chercheur il veut publier? Si, alors, ça nous intéresse quand même de voir un petit séquençage génétique, de voir, bon, c'est des informations utiles, des informations génétiques. On ne va pas réduire la levure à son génome, hein. On sait qu'il y a beaucoup d'autres choses, il y a l'épigénétique, etc. Mais ça nous intéresse. Mais c'est un chercheur public, s'il publie, il faut qu'il dépose la levure, et tout le monde a accès à la levure qu'il va déposer. Et donc demain, on va la retrouver en Belgique, dans une bibliothèque de levure, à disposition de l'industrie, qui ne va pas déposer un brevet sur là, mais sur le petit cousin qui fait la même chose. On n'a pas la réponse à cette question. Et là, moi, je suis très intéressé par votre expérience à vous, à l'atelier, parce que, bon, l'année dernière, quand je suis venu, j'ai vu que vous posiez le même genre de questions. On a besoin de diffuser nos connaissances, on a besoin d'échanger nos savoirs, mais on n'a pas besoin de donner à tout le monde. Comment on fait? Revenons aux bases de données. Ils récupèrent des informations sur nos fermes. C'est tous les paysans qui sont concernés. Il y en a qui même sont dans des programmes avec InVivo pour ça. Ce sont nos connaissances, on les donne gratuitement. Souvent, ils ne nous demandent même pas la permission, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas le consentement préalable. Je vous rappelle quand même qu'il y a une convention sur la diversité biologique qui demande le consentement préalable avant d'utiliser des connaissances. Alors, évidemment, c'est que les autres indigènes, et nous, on n'est pas des indigènes puisqu'on est des Français. Mais bon, ça existe quand même cette notion-là. Et après, ils vont nous les revendre. Et à partir du moment où ils vont nous les revendre, on n'aura plus le droit d'utiliser les nôtres. Et ce sont nos instituts techniques qui sont dans la combine et qui n'ont pas le choix. Parce qu'au conseil d'administration de l'ITAB, il y a eu la discussion, mais si l'ITAB refuse de mutualiser ses données, est-ce qu'il mutualisera tout ça, on va en discuter. Mais il perd une bonne partie de ses subventions publiques, il n'existe plus. Et on a besoin de l'Institut technique de l'agriculture biologique. Donc voilà, bon, c'est pas si simple. On ne peut pas dire non comme ça, mais on ne peut pas dire non plus oui pour tout. Et là, moi, si je vous en parle, c'est que je vous interpelle, on a besoin de vos avis à tous pour savoir quelle solution trouver à ça.
C'est quand même incroyable que le fait d'échanger, de partager, ça soit, en tout cas en France, extraordinaire d'un point de vue agricole. C'est-à-dire que cette transmission de pair à pair, cette humanité au quotidien, c'est l'extraordinaire de notre agriculture. Sinon, pour le reste, c'est confiscation totale. Donc il y a effectivement quelques milliers de paysans qui participent un peu, beaucoup ou énormément à la production de semences paysannes. Il y a quelques milliers, évidemment, de paysans qui participent à faire vivre les machines et les savoir-faire qui sont associés à faire vivre ces machines au quotidien et à les adapter un peu à la manière des semences paysannes aux réalités pédoclimatiques un peu partout en France. C'est vrai que les industriels voudraient vendre la même machine en Bretagne ou en PACA, mais dans les faits, ça n'a aucun sens agronomique. Plus largement, effectivement, on a besoin de soutien, d'épaule supplémentaire sur cette question de la propriété, notamment de la propriété industrielle, de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle, pour protéger nos travaux de toute tentative de récupération. Ça, c'est très clair. Aujourd'hui, on n'a pas les outils pour le faire, et je pense que, très modestement, on n'a pas l'énergie pour aller suffisamment loin de ce que j'ai constaté au réseau Semences Paysannes, comme ce qui peut se passer chez nous, concernant particulièrement les machines. Guy parlait de commun tout à l'heure. Je pense que si on part d'un présupposé que l'alimentation c'est un commun, en tout cas une alimentation de qualité c'est un commun, alors intellectuellement on pourrait imaginer que toute la chaîne pour parvenir à cette alimentation de qualité, accessible à tous, soit aussi un commun, et donc y compris les techniques et y compris les technologies et y compris les savoirs et savoir-faire qui sont associés à ça. Soit la convention sur la diversité biologique ou traité sur les ressources phytogénétiques, où là on a les gouvernements qui sont présents. Hein, donc c'est pas un problème de gouvernance. C'est aussi un problème de gouvernance, mais ce n'est pas d'abord un problème de gouvernance. De la même manière qu'il n'y a pas de semences en général. Il y a des semences industrielles et des OGM dont on ne veut pas, et des semences paysannes dont on a besoin. Donc on n'aura pas les mêmes règles de gouvernance pour les OGM dont on ne veut pas et pour les semences paysannes. Et elles ne sont pas gouvernées au même niveau. Les semences paysannes, elles sont gouvernées au niveau, en France, des maisons de semences paysannes locales et de mise en réseau de ces maisons de semences paysannes. Les semences industrielles, elles sont gouvernées au niveau de la gouvernance du marché mondial. Pour nous, il y a des règles qui sont très simples. Ça s'appelle la souveraineté alimentaire, le droit de faire des barrières aux frontières pour protéger son agriculture. Donc on voit bien que ce n'est pas les mêmes règles parce que ce n'est pas les mêmes semences. Les communs, c'est pareil. Il n'y a pas de commun sans communauté. Monsanto, c'est une communauté. Et oui. Et nous, nous sommes des communautés. Alors, des collectifs, on l'appelle comme... Alors pourquoi je vous parle ça? Kloppenburg, donc le système open source aux États-Unis, la réflexion est passionnante. Les semences ne sont pas des logiciels. Je sais que certains de mes amis scientifiques ont fait le tour de France en disant ils s'emparent du logiciel de la semence en déposant des brevets sur les transgènes, etc. Il faut des images pour se faire comprendre. Mais par rapport à l'organisme vivant ou à l'être vivant qui est une plante, le génome, ça explique quelques pourcents de la réalité de la vie de la plante. Et en plus, ces quelques pourcents sont quelque chose qui n'est pas dans les outils de perception utilisés pour la construction des savoirs paysans. Moi, un séquençage, ça ne me parle pas. Le big data, alors, je suis un vieux pouc, un je suis pouc et deux je suis vieux. Peut-être que les jeunes poucs, ils vont réfléchir différemment. Attendez, on ne va pas passer notre temps. Chaque année, nos sens évoluent.
à refaire le séquençage complet du génome pour pouvoir le publier avec un droit de licence open source de manière à ce que Monsanto ou l'Imagen ne puissent pas déposer des brevets sur un seul de tous ces gènes. Ils n'utilisent pas les mêmes outils. Les outils de la propriété industrielle, qui est une des formes de propriété intellectuelle, moi je ne suis pas contre toutes les formes de propriété intellectuelle. Je suis un grand défenseur des indications géographiques. Hein. Je pense que là on a vraiment une culture latine où on doit défendre nos indications géographiques. C'est un droit de propriété intellectuelle, je ne suis pas nécessairement contre. Mais l'outil du certificat d'obtention végétale, l'homogénéité, la stabilité des caractères physiques de la plante, mais nous on a des plantes dont les caractères physiques évoluent chaque année. Alors, il y a des caractères qui sont stables et homogènes, hein, la qualité nutritionnelle, plein de choses, hein, l'adaptation locale, mais justement l'adaptation locale, le local il évolue, donc il faut bien que la plante évolue. Essayez, et là vous comprendrez le problème, d'organiser un marché foncier si vous n'avez pas de cadastre. Si vous n'avez pas la limite de la propriété que vous voulez vendre ou échanger sur le marché, comment vous voulez organiser un marché? Vous avez des accords parlementaires, mais il faut le cadastre, il faut mettre les limites. Où sont les limites, où est la définition d'une plante qui évolue? Quelque chose qui évolue, je ne peux pas dire c'est à moi. Non, ce qui est à la communauté de paysans, c'est un ensemble de trois choses. C'est quoi une variété paysanne, hein, là, c'est la variété population. C'est le croisement d'un végétal qui évolue en permanence, qui co-évolue avec une communauté humaine et avec un terroir. Voilà. Nous, c'est ça qu'on défend, ça. C'est le bien de la communauté. C'est pas un bien commun de l'humanité, surtout pas. Les biens communs de l'humanité, pour les semences, et ça, je crois, je pourrais vous le dire aussi pour vous, c'est les ressources génétiques, c'est-à-dire c'est les semences paysannes qu'on a mis dans les collections publiques ou privées et que les paysans n'ont plus le droit de vendre ni d'échanger. Et par contre, parce que c'est un patrimoine commun à l'humanité, les semenciers, eux, ils ont accès à toutes les semences des paysans sans leur demander la permission et sans rien leur payer pour ensuite faire des semences qui vont leur revendre. Si c'est ça un bien commun à l'humanité, demandez au peuple indigène à qui appartient l'eau d'une rivière. Si ce n'est pas d'abord aux peuples qui vivent de la rivière, au bord de la rivière, et qui sont tout à fait capables de la gérer, même s'ils sont un paquet de communautés. Et au Brésil, il y a de gros conflits par barrage. Ah oui, c'est un bien commun, enfin, c'est un bien public, hein, on va dire. C'est pas un bien commun, oui, c'est l'État, c'est pas un bien commun. Si c'est un bien commun, on fait un barrage. Ça profite à tous les citoyens du Brésil. Ah ben non, c'est un bien commun. C'est d'abord les gens qui vivent au bord de la rivière, qui gèrent la rivière, qui la font vivre et qui garantissent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de drague, mais on ne peut pas le faire s'ils ne sont pas d'accord. Donc, les biens communs de l'humanité, je pense que dans quelques temps, on va se poser des questions sur l'air. Oui, moi je lisais la revue suisse. Je trouve que je suis franco-suisse, donc je reçois la revue des Suisses à l'étranger. Les horlogers suisses, ils se reconvertissent dans les drones. Ils sont doués, c'est des bons bricoleurs, ils ont monté des start-up, ils utilisent des niches de marché, mais des niches de marché, c'est le marché mondial, donc c'est quand même du business. Et ils ont constaté deux choses. Dans l'espace, tout ce qui est en dessous 150 mètres, c'est libre. Il n'y a pas d'avion, à part les pompiers ou les ambulances, les hélicoptères. Donc là, il y a tous les drones, les enfants s'amusent, etc. Et puis, dans la partie de l'espace qui est jusque-là où vivent les avions, où volent les avions, et là où il y a les Sputnik qui font les satellites qui font le tour de la Terre, il y a tout un espace qui n'est pas encore occupé. Et là, ils ont déjà mis en place des drones pour les vendre aux États, pour que chaque État soit propriétaire de cet espace-là pour surveiller son territoire. Vous avez dit bien comme l'humanité, vous avez dit ? Est-ce qu'ils sont libres de faire ça ? Est-ce qu'on doit leur laisser bousiller un des derniers, peut-être, endroits de l'espace ou qui n'est pas une poubelle de machin qu'on envoie en l'air? Non, mais il y a des vraies questions qui se posent. Ce n'est pas que des questions de gouvernance. Est-ce qu'on a besoin de ces outils? Les sociétés qui font du commerce ont besoin de ces outils. Est-ce que nous, on en a besoin? Les armées ont besoin de ces outils. Est-ce que nous, on en a besoin?
C'est pas qu'une question de gouvernance. Pas complété, je dirais que après, l'open source n'est absolument pas une fin en soi, et encore moins la mise en place de plateformes open source où finalement chacun, en tant que petit colibri, on pourrait venir piocher pour faire notre part dans l'humanité. Simplement témoigner et ramener ça à l'échelle du pôle impact, auquel on associera bien volontiers le réseau Semences Paysannes, mais en fait au quotidien on avance avec des dizaines de milliers de fermes qui sont volontiers partageuses, qui sont volontiers dans ce transfert, dans une innovation du quotidien, donc tout est là, tout existe, les conditions d'une intelligence et d'un bon sens paysan et collectif existent, et en fait, donc ça existe, et pourquoi il n'en est pas autrement, c'est-à-dire pourquoi le rapport de force n'en a pas été modifié alors que tout est déjà existant, sans même aller créer d'autres plateformes qui pourraient éventuellement participer de faire des buzz, et je mets l'atelier paysan à l'intérieur, mais ces savoirs et ces savoir-faire, ils existent. Et la question, elle n'est pas tant sur la forme ou l'emballage marketing, mais plutôt sur les rapports de force qu'il nous faut modifier par des actions collectives. Une dernière réaction, peut-être ? J'en ai fait une allusion rapide tout à l'heure. En fait, le programme Maïs, il a démarré avec Bio-Aquitaine, hein, donc en Périgord, hein, et à Royaume-Périgord, avant même la naissance du réseau France Paysanne, dans les années 2000. Aujourd'hui, en agriculture biologique, je parle bien, les années de sécheresse ont de bien meilleurs résultats, mais bien meilleurs, c'est d'ailleurs passé à la télévision dans une émission cet été, que les meilleurs hybrides. Il n'y a pas photo. Donc, il y a quoi, 15 ans de sélection. Au début, on a perdu 4-5 ans parce qu'on a voulu tout de suite adapter des maïs d'Amérique du Sud qui avaient les mêmes stades de précocité. Donc, on a vraiment perdu du temps. Bon, après, on... Et ça sera peut-être la conclusion, mais qu'est-ce que c'est qui nous a permis d'avancer vite? Les savoir-faire et les connaissances des paysans brésiliens. Et oui, c'est eux qui nous ont appris à sélectionner du maïs, parce que nous, on avait perdu ces connaissances-là, je veux dire, en France, plus personne ne savait sélectionner du maïs en dehors des hybrides fins à l'industrie. Les sélections de maïs population, aujourd'hui, dans une région où vous n'avez pas de maïs local qui existe, en 7 ans, vous pouvez faire une population, alors c'est des protocoles très stricts, mais qui commencent à donner des rendements intéressants. Le protocole utilisé, bon, c'est un chercheur qui s'appelle Altair Machado, qui est à l'Ambrapa, c'est l'INRA du Brésil, qui a mis ça au point avec des paysans, hein, avec 250 familles de paysans qui participent toutes à la sélection. C'est quand même aujourd'hui la variété de maïs population la plus commercialisée sur tout le territoire du Brésil. Hein, Soleil des Manias, ça s'appelle, le Soleil du Matin. Donc voilà, les savoirs existent. Il suffit qu'on nous permette de les faire. Jusqu'à pas, il n'y a pas longtemps, on ne peut pas les commercialiser, ces maïs, on peut les échanger maintenant. On l'a vu dans le cadre des programmes de recherche, maintenant on a le droit d'échanger. Je pense que ça va se développer très vite, mais on a passé 15 ans où c'était très difficile au début. On avait la répression des fraudes, enfin le NIS plutôt, régulièrement dans les fermes pour nous dire que ce qu'on faisait n'était pas légal. On leur montrait les conventions de recherche, enfin, on s'est battu, quoi, hein, je veux dire. Mais c'est tout à fait faisable. Et on a déjà des résultats.